Ce texte brosse un tableau vivant des défis et triomphes auxquels les lions sont confrontés dans la nature. Souvent perçus comme les prédateurs suprêmes de la savane africaine, les lions doivent naviguer à travers de nombreuses épreuves et dangers pour survivre. Les blessures, qu'elles soient infligées par des proies réactives ou des conflits avec les humains, représentent des menaces significatives à leur domination et à leur bien-être. Malgré leur puissance, les lions peuvent subir des blessures graves en chassant. Par exemple, une lionne avec une patte cassée après avoir attaqué un zèbre démontre la vulnérabilité même des prédateurs les plus redoutables. Pourtant, leur détermination et leur résilience sont remarquables, comme le montre cette même lionne qui surmonte sa blessure pour réussir à chasser une antilope. Les dures réalités de la nature signifient que les lions blessés peinent à chasser efficacement, recourant parfois à la charogne. Sans la force nécessaire pour poursuivre ou maîtriser leur proie, ils peuvent devenir faibles et émaciés. Les lions sont connus pour leurs ruses et leur bravoure, attaquant souvent des adversaires redoutables comme les buffles, en s'appuyant sur le travail d'équipe et des tactiques de chasse stratégique. Les conflits entre les lions et les humains soulignent également les dangers auxquels ils sont confrontés. Les ressources alimentaires rares poussent les lions à s'attaquer au bétail, entraînant des représailles violentes des tribus locales. Les blessures infligées par les humains, comme une bouche déchirée par une lance, illustre encore davantage l'existence périlleuse de ces prédateurs. En somme, le récit de la survie des lions met en évidence un mélange de force, de stratégie et de lutte constante contre l'adversité. Ce regard sur leur monde révèle non seulement leur férocité et leur intelligence, mais aussi l'équilibre fragile qu'ils maintiennent dans une nature impitoyable.